Ben, je viens à l'atelier tous les jours. En général, j'ouvre la porte, je la referme tout de suite, et je m'en vais au bistrot du coin. Mais je viens quand même, parce que, je sais pas, c'est comme ça. De là à dire que je travaille de 8 heures du matin à 6 heures du soir en m'arrêtant pour le lunch, ça c'est pas vrai. On arrivera à travailler d'une façon sans interruption pendant 48 heures, et tant pis. Il y a un état de état d'âme au moment où, au fond, le geste de peine, c'est se mettre dans une situation où on déborde ce qu'on a fait un peu avant, quoi, en s'en servant. Mais c'est au moment où ça déborde, toute notion du temps est perdue. On ne sait pas si ça prend. Si on me demande combien de temps vous prenez pour faire un tableau, j'en sais rien. Ça m'arrive d'être passé des années sans peine. Mais je travaille le même tableau à ce moment-là. Et ça aboutit pas. Il faut que ça se passe sur un autre plan. Ça peut prendre une heure, ça peut en prendre 10 jours, je ne sais pas comment ça prend de temps. La lumière tombe, on change. Je me retrouve avec les lampes électriques quand ça fonctionne, sans penser que je les ai allumées. La minute où il y a cette espèce de condition d'espace qui joue et de temps, le tableau est fini. Moi, si je me recule pour regarder si le tableau est bon, ou je le détruis, ou je le recommence. Je ne sais pas si c'est une méthode un peu étrange. On ne voit pas comment on peut être bon juge. Ou le tableau a fait un tel pas vers l'avant qu'on ne considère pas dans la série, ou alors il est complètement dans la série de ce qu'on fait, et puis on trouve qu'il est très beau. Mais si on le regarde après cet intérêt, souvent c'est un tableau tout à fait banal, c'est le tableau le plus banal, quoi. Et je crois que les autres sont meilleurs juges que le peintre lui-même. Une personne se renouvelle. Finalement, on peut faire qu'un pas, non? Le renouvellement pour le renouvellement, ça c'est chercher la dernière technique avec les meilleurs. Au fond, c'est le problème de l'école. Les types qui suivent une école, ils sont perdants au départ, quoi. Paysages lunaires, moi j'ai pas vu la lune, alors on peut les imaginer, mais en fait, la seule réalité, le seul rapport qu'il y a, c'est quand même la nature comme jugement, non?
Avec la sculpture, évidemment, je vois les choses, on dit, ben, je suis peintre. Enfin, le côté purement sculpture est considéré comme si c'était un peu un hobby, quoi. Pour les gens qui regardent la sculpture en disant, ben voilà un peintre qui fait de la sculpture. Moi, j'y crois pas, je crois qu'au fond, c'est aussi nécessaire. Et alors après, il y a d'autres positions. On voit la chose en disant « Oh, maintenant, c'est les peintres qui ont fait les meilleures sculptures. » C'est probablement vrai que Matisse est un grand sculpteur. Et j'adore sa sculpture, mais c'est pas nécessairement parce qu'il était peintre qu'il a fait des sculptures extraordinaires. Maintenant, c'est une position. On dit « Voilà, c'est une sculpture de peintre, quelle merveille !» Pour moi, c'est le même monde. Alors, comme en général, les gens voient dans ma peinture des choses qu'ils considèrent abstraites, alors ils se disent, mais pourquoi? Ils font pas le rapport. Il y a que les gens qui voient pas le côté fonction de la peinture engagée, qui se disent, ah ben, vous avez raison, on retrouve dans la sculpture les mêmes formes. Je crois que les gens voient plutôt la signature plutôt qu'autre chose. Vraiment, c'est... Quoique ça reste un isolement total. Les gens ne savent pas voir. Au fond, la peinture devrait avoir engagé les gens. Je crois que ça n'a rien à voir. Évidemment, on suppose qu'il y a un contact avec... celui qui va regarder le tableau et celui qui l'a fait, mais quel contexte, sur un plan plutôt. Tout est prétexte, non? Les gens diront s'il fait toujours la même chose ou c'est beaucoup moins bon. On aimait beaucoup ce que vous faisiez, c'est toujours la même chose. Ou alors, ils diront... Oui, on aimait beaucoup. On s'aperçoit toujours qu'ils aiment ce qui était dans le passé. Pour les gens vraiment intéressés à l'art, de ce qu'un type va devenir, tu sais, ça se compte sur les doigts de la main. Enfin, y a peu même de marchands qui sont prêts à renouveler. Ils dépendent du marché, ils dépendent. La peinture, c'est une maladie, c'est un microbe qu'on a dû attraper un jour, et puis comme on n'a pas les moyens de le guérir, on le garde, non? Qui est-ce qui disait? C'est Cravant qui disait, j'avais mis ça une fois, il m'avait demandé des commentaires sur la peinture, et Cravant disait, peindre, c'est manger, dormir, chier, tout ce qu'on veut. C'est ça, peindre, au fond, c'est vivre.
Tout ça, c'est relatif, la vitesse, non? En avion, on n'a pas l'impression que ça va vite, alors que souvent... Au fond, l'idée de la course automobile, c'était pas tellement une idée de vitesse en soi, c'était l'idée de faire mieux. Les meilleurs pilotes d'automobile n'essaient pas d'entrer dans un virage le plus vite possible. Ils essaient de prendre le virage, ça n'a aucune importance au point de vue, c'est d'en sortir le plus vite possible. Moi, en tout cas, je me souviens que la première fois qu'on m'a confié une Formule 1, j'avais l'impression que je savais conduire une voiture et que je me débrouillais assez bien. Et on m'a dit, fais un tour de circuit qu'une Formule 1. J'ai pas fait le tour, j'ai eu peur. C'est une espèce de cheval qui se cabre. J'ai fait plusieurs tours bien au ralenti pour essayer de... Et j'ai compris là que c'était pas... c'était pas une question d'audace, mais une question de savoir. Je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai perdu cet élément. J'adore la mécanique, mais trop vieux maintenant. C'était assez facile à l'époque. Les gens qui faisaient de la course automobile travaillaient assez individuellement, il n'y avait pas le problème d'écurie de course. Maintenant, c'est devenu tout à fait l'affaire de Ferrari. Et sans des écuries, alors finalement, il y a que vraiment les professionnels qui peuvent s'en tirer. Il y a 5 types au monde qui peuvent s'en sortir. Les autres sont voués à l'accident au premier tournant. Alors que tout le monde pense que c'est facile et qu'il s'agit d'appuyer pour que ça marche, au contraire, c'est fini, quoi. C'est dommage que je ne sois pas écrivain, parce que j'habiterais et je vivrais à bord, mais pour peindre, ça ne me paraît pas un endroit idéal. Alors, il faut un peu partager, quoi. Mais c'est parce que s'il y a un problème comme ça, celui d'une entité comme un bateau qui existe, c'est le bateau qui devient primordial, ou alors on n'a pas le droit de faire de faute. Et on utilise ses moyens à la limite de ses capacités. Alors, au fond, on ne cherche que... parce que les éléments sont trop forts à côté. On ne peut pas tricher, il n'y a rien à faire. C'est la même chose probablement dans tous les sports, tout ça. L'avantage qu'a peut-être le bateau, c'est qu'on est... On est très facilement submergé. On est toujours tout près d'un côté panique. C'est la seule chose qu'on ne peut pas se permettre, c'est d'avoir la panique, parce que c'est grave à ce moment-là. Thank you.
c'est vraiment dangereux. Les gens n'y croient pas, mais quand il y a beaucoup qui ne reviennent pas à cause de ça. Et s'ils reviennent, c'est parce qu'on a réussi à les secourir. En fait, il n'y a rien de... On devrait toujours pouvoir s'en tirer. Puis il y a le problème aussi que... On doit être parfaitement conscient du matériel et ne pas aller au-delà, quoi. Je me souviens, il y a une des sorties que j'ai fait, mais tout à fait pour le plaisir de bien naviguer, j'avais obtenu deux marins qui étaient des grands spécialistes, et qui étaient des marins de carrière. J'ai dit, enfin, finalement, avec mon marin à moi, 3, 4, on va sortir 5 heures ou 6 heures, on sortira de la journée, mais on va vraiment faire un maximum. Alors, on part, il était 8 heures le matin. À 3 heures l'après-midi, on avait peut-être fait 7 000, il n'y avait pas de vent. Donc, j'ai dit bon, c'était l'hiver, je dis, bon, on va rentrer avant la nuit, c'est pas la peine. Faisons demi-tour et puis on rentrera dans le port, pourquoi aller plus loin? Et j'avoue à un de ces types de l'équipage qui dit, comme je suis content qu'on retourne. J'ai dit, écoutez, pourquoi vous dites ça? Il me dit, vous n'avez pas vu le baromètre? J'ai dit, oui, j'ai vu le baromètre, il a vraiment baissé. Moi, je pensais qu'il avait pas peur, mais que je lui ai dit, mais... Si on attend le vent, on va attendre jusqu'à demain. Il me dit, mais moi, je suis content qu'on rentre. Bon, j'ai envoyé un autre qui a peur, parce que les dépressions sont souvent annoncées comme ça par une chute du baromètre, puis on attend. On a 10 minutes après, on était passé d'un vent nul à force 8. C'est-à-dire une tempête, quoi, énorme. Eh bien, j'étais content qu'on soit 4 à bord qui savaient naviguer parce qu'on avait toute voile à l'extérieur et on était en force 8. Alors, on est rentré en force 8, puis on s'est bien amusé. On est allé secourir 2 ou 3 bateaux de plaisance qui avaient tout cassé. Mais si on n'avait été que 2 à bord du bateau, le marin et moi, ben, on aurait tout cassé nous aussi. Et moi, je ne croyais pas que le vent serait arrivé en 10 minutes de passer de rien à force 8. C'est comme ça. Il faut toujours prévoir. On part pour 5 heures et on reste 3 jours parce qu'on ne peut pas rentrer.